là on est à Amdenes, donc dans le comté de Nordland. On va sûrement peut-être voir des baleines, je sais pas trop si on va pouvoir parce qu'il y a pas mal de vent. Et hier on a eu une petite mésaventure avec le Airbnb, puisque en fait c'était un Airbnb qui était très rustique, c'est-à-dire que c'est une cabane rouge, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Donc on est arrivé là-dedans, il faisait moins 5 degrés, il était 18h, il faisait nuit. Donc on a finalement pris la chambre chez l'habitant. Donc on a payé 40€ de plus, ce qui faisait 110€ la nuit. Donc c'était hyper cher parce que on était juste chez l'habitant. Mais bon, au moins on avait chaud quoi. On est à Blake, dans le comté de Nordland, toujours. Donc là on a trouvé des randos à faire, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de trouver des randos. Donc là on a vu des panneaux, donc on suit une petite rando de 2 km. Donc derrière il y a les petites montagnes. Donc si jamais il neige on rentrera parce qu'il fait quand même assez froid. Mais bon voilà, c'est le jeu et puis c'est quand même très très beau. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que on pensait que c'était quand même assez touristique la Norvège. Au moins on n'est pas dérangé par la foule, c'est ça qui est cool. C'est, faut vraiment chercher, prendre son temps. Voilà, si vous pouvez faire des recherches avant de partir, faites-les. Les gars ils sont tout là-bas, je les vois même plus. J'ai fait une petite pause parce que je suis assez KO là. En plus il a grêlé un petit moment tout à l'heure, donc voilà. Mais bon, c'est cool d'arriver en haut parce que c'est trop beau. Un petit conseil quand vous venez en Norvège en hiver, on est le 10 février et il faut savoir qu'en février le soleil se couche à 15h. Donc là il doit être 13h30, donc on a plus qu'une heure et demie devant nous pour rentrer à la voiture. Je crois qu'en janvier le soleil se couche à midi. Et donc là en gros nous il se lève à 8h30 à peu près et il se couche à 15h, donc c'est des journées très courtes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien organiser votre voyage, sinon vous allez rien faire. Donc comme vous avez pu voir, notre principale alimentation depuis qu'on est en Norvège c'est le saumon. On en mange midi et soir. Donc le midi on mange des sandwichs de saumon, donc saumon fumé, et le soir on mange des vrais pavés de saumon au four. Et ce qui est assez drôle c'est que c'est le même prix qu'une boîte de Ricola. Donc voilà, la boîte de Ricola coûtait 4,50€ et le saumon était environ 5€. Donc voilà, on préfère acheter du saumon quand même par rapport aux boîtes de Ricola. Et donc en Norvège, c'est pas l'euro, c'est la couronne norvégienne. Donc ça s'écrit NOK. 10 couronnes norvégiennes correspondent à 1€. Donc c'est facile à convertir du coup pour les prochains achats que vous allez faire. La nourriture coûte très très cher. Je vous mettrai quelques prix tout à l'heure dans la vidéo. Vous allez voir que c'est très très cher. Voilà, par exemple, une boîte de riz coûte 7€, donc voilà, c'est 1 kg de riz, 7€, c'est hyper cher par rapport en France. Surtout si vous voyez des supermarchés ou des stations essence, arrêtez-vous, parce que ça court pas les rues, les stations essence et les supermarchés, donc faudrait pas que vous tombiez en panne d'essence ou en panne de nourriture. Donc nous, au début, on se disait, bon, bah tant pis, on verra la prochaine ville, et en fait, il y a pas beaucoup de villes ici en Norvège. On a deux grosses villes, il y a Tromsø, donc on est arrivé par l'aéroport. Ensuite il y a Arstad. Au niveau de l'essence c'est le même prix que la France, c'est pas très très cher. Donc surtout je vous invite à aller voir mon blog pour plus d'informations sur les randos qu'on a fait. Là on est monté sur ce genre de cailloux ici là, tout le long, et en fait il n'y a pas de chemin du tout vu que c'est enneigé. Donc c'est dangereux, ça glisse, c'est physique, donc voilà, c'est un réel bonheur. Bon après la vue est très cool, hein. On va pas se mentir que la vue elle est cool. Et donc derrière moi, vous voyez ici, c'est la plus grande plage de Norvège, donc c'est Blek. La plage fait tout le long ici, et c'est la plus longue de Norvège, donc je sais plus combien elle fait de kilomètres de long. Donc là on est sur l'île de Andøya, donc on est tout au nord de l'île, donc ça s'appelle Andenes. Et en fait on a croisé un Suisse qui travaillait dans un centre de tourisme, et en fait on pouvait regarder les baleines, puisque ici derrière c'est la mer de Norvège, et c'est un des seuls endroits au monde où on peut observer des baleines depuis les côtes.
Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de vent et les conditions ne sont pas bonnes. Les bateaux ont décidé de ne pas partir. On n'en verra pas aujourd'hui, mais voilà. Sachez que ici, c'est vraiment le spot de baleine. Bon ben, on est parti, mon poteau, ou quoi, là? Tu commences? Je sais pas si on se rend compte, mais ça descend de ouf. Vas-y. Bon, je te suis après, hein, si t'arrives quelque chose. Allez, vas-y. Vas-y, bah, je pars 5 secondes après. Oh putain, bah. C'est très bon ça, mon gars! Oh.